Bonjour à tous les parents de, des élèves de quatrième année. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Hélène Maldonado. Je suis euh, l'enseignante d'anglais de tous les élèves de quatrième année cette année. J'ai encore le plaisir euh, d'avoir euh, la plupart des élèves que j'ai eus en première année et en deuxième année. Et, euh, et ceci est pour vous expliquer un peu le fonctionnement cette année. Euh, et premièrement, et nous allons avoir deux périodes d'anglais par semaine. Okay? Nous allons avoir, euh, je vais voir les élèves deux fois par semaine. Et cette année, euh, je vais demander votre collaboration euh, par rapport aux devoirs. À chaque semaine, je vais euh, donner un devoir à faire à la maison. Si parfois on peut prendre un co congé de devoir parce qu'on se prépare pour un examen ou parce qu'on on prépare peut-être un projet d'écriture, mais euh, il est important. Hein, deux heures par semaine, c'est bon, mais faire un petit devoir à la maison, c'est encore mieux. Habituellement, mais j'obtiens à expliquer ces devoirs. À, à tous les élèves avant qu'ils parlent à la maison. D'accord? Donc, c'est pas comme s'il va arriver à la maison et il va dire « Maman, Papa, je ne sais pas quoi faire. » Ok? Je vais toujours expliquer euh, ce qu'il devrait faire à, à la maison. Et euh, donc, pour que ça ne soit pas euh, aussi un, comme euh, pour vous un, un problème ou ou euh, une surcharge, ok. C'est pas ça le but. Le but c'est que euh, c'est que l'élève soit capable et, et, et qu'il puisse avoir le temps de pratiquer un petit peu plus l'anglais à la maison aussi. Donc, pour les fonctionnements je veux et toujours demander à, aux élèves d'écrire les devoirs dans l'agenda. Donc, vérifiez s'il vous plaît la, les agendas, l'agenda de vos enfants. Pour voir quelle est la page à compléter et cette année nous allons travailler avec les livres tag ainsi qu'avec un, un duo tang Tous les élèves devraient avoir un duo -tang et aussi euh, le livre tag. Et habituellement, et donc ça sera écrit dans l'agenda, donc surveiller quel est le devoir à faire pour chaque semaine si jamais. Euh, L'enfant est absent pour une raison quelconque, il ne peut pas aller à l'école euh, et ce n'est pas pour les cas de confinement, par contre, je veux dire pour une, une absence qu'il a eue dans un jour comme ça, quelconque. S'il a raté l'information de devoir, et soit il peut, quand il se rend à l'école, demander à ses camarades c'est quoi le devoir qu'il faut faire pour l'anglais cette semaine ou bien eh, vous pouvez trouver l'information sur la plateforme Teams. Et chaque élève sera placé dans leur groupe anglais Teams. Donc, par exemple, si votre enfant appartient au groupe 4C, eh, il va avoir un groupe, une équipe Teams déjà créée où est-ce que je veux afficher l'information pertinente aux devoirs et aux examens. Donc, si jamais vous ne pouvez pas ou vous ne connaissez pas l'information, vous pouvez aller la chercher aussi dans la plateforme Teams. Et dans cette plateforme, je vais également annoncer les examens. OK? Encore une fois, si l'élève est absent, vous pouvez aller trouver l'information là. Mais sinon... Et pour les, pour les des évaluations, je vais donner comme une petite feuille à coller sur l'agenda avec les contenus de l'examen qui sera annoncé deux, fois, euh, deux semaines avant l'examen. Okay? Euh, deux semaines, pourquoi? Parce que deux semaines, ça prend pour se préparer, et aussi pour qu'ils vérifient à la maison. Hein? Donc, euh, toutes les informations encore sur les devoirs. Et sur les évaluations, c'est là dans l'agenda ainsi que dans la plateforme Teams si jamais vous avez besoin de trouver cette information. Euh, pour les, euh, les évaluations, les bulletins, il y a trois compétences à évaluer. La compétence 1, c'est l'anglais parlé. Je l'évalue habituellement par des moyens de participation et aussi par le moyen de travail d'équipe. Okay? En classe, souvent, je fais des activités orales où je demande aux élèves de se placer en équipe pour parler et, ou sinon, je compte la participation en classe. Donc, c'est comme ça que j'évalue avec mes observations. J'évalue la compétence 1, qui c'est l'anglais la, parlé. La compétence 2, c'est le, le réinvestissement. Ceci aussi se fait sur les observations de, de travail en équipe, mais aussi surtout avec les évaluations écrites. Okay? Les évaluations que je vais vous annoncer à la, à, à, dans l'agenda deux semaines avant. Pour la compétence 3, c'est l'écriture. Cette année, euh, on, va, on a commencé à évaluer l'écriture euh, depuis euh, la, la troisième année, mais cette année on évalue un petit peu plus. Donc euh, ils vont, les, les, les élèves vont devoir faire euh, un projet d'écriture à moyenne comme à chaque deux mois euh, il y aura quelque chose euh, ou sinon à chaque mois il y aura euh, un projet d'écriture. Mais ceci euh, c'est fait toujours en classe et je, fais, je les fais faire en brouillon, que je corrige, et par la suite, une copie propre, que je corrige également, et les deux font partie de l'évaluation compétence 3, écrire en anglais. Et pour la dernière chose que je voulais euh, vous annoncer, euh, c'est que euh, je vais rester euh, très, très... Euh, Très active dans les équipes teams je vais parfois afficher des choses que l'élève peut faire si vous cherchez euh, je sais pas qu'il fasse des activités supplémentaires euh, et donc je vais les afficher par contre si vous voulez communiquer avec moi je préfère euh, que vous utilisez l'agenda parce que ça sera plus rapide alors juste m'écrire un message euh, et Demandez à votre enfant de me les montrer parce que ça, c'est une autre chose. Je n'ai pas le temps de vérifier les agendas des élèves à tous les jours. J'ai en moyenne 50 élèves en quatrième année, donc je ne peux pas prendre l'agenda de chacun pour voir si vous m'avez écrit un mot. Donc, si jamais vous, vous, vous avez une question, si vous voulez que je vous contacte, alors la meilleure façon c'est de m'écrire un mot dans l'agenda et dire à, vos, à votre enfant de me les montrer. Et les teams, les équipes Teams, je vais les vérifier, mais pas à tous les jours. Donc si vous voulez une réponse rapide, le meilleur moyen c'est l'agenda. Et voilà pour ce que je voulais, euh, vous voulais vous expliquer. Par rapport au fonctionnement de mon cours. Et c'est un vrai, vrai plaisir d'avoir euh, votre enfant euh, comme partie de mes groupes. Et ce sont à François de Laval euh, dans, mes, dans mes quatre ans euh, que j'ai passé là. Et je n'ai eu que des bons élèves, des bons enfants. Et donc je me sens très privilégiée d'être de, de encore une fois avec eux quand que j'ai déjà je les connais bien depuis la première année et donc sur ça je vous souhaite une bonne année scolaire et si jamais comme je dis je répète si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter via l'agenda ou via Teams merci beaucoup